Bonjour à tous du Bodin, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va enfin terminer notre Battlefield. Je l'avais laissé comme ça, j'ai pas touché. Il me reste 3 jours. J'ai des DS à récupérer, je suis tout près de la porte des 700 DS. Donc voilà, je l'avais complètement oublié. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. Bon, après... Après, j'ai quand même le réflexe de temps en temps checker si j'avais bien fini, etc. Parce que je voyais l'icône encore clignoter bizarrement, tu vois. Bon, comme d'habitude, hein. J'ai pas touché. Oh. Le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, hein, vous connaissez la musique. Bon, en théorie, le boss n'a pas changé. Mais lorsque ça va changer... Ah oui, c'est vrai qu'il peut double spé, lui. Quand ça va changer, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur. Le dernier Battlefield qu'ils ont lâché sur la Jap, il est infernal. Même avec une box de cash player, j'ai galéré comme jamais. Donc là, je pense que c'est mort. C'est mort de chez mort. Bon, alors, qui est le plus tanky ici? Je vais peut-être laisser les deux Freezer. Enfin, Freezer et lui, là. Bon, tant pis pour Freezer. Bardock, comme il prend un stack. Voilà. Bardock Timebreaker. Ah, je me rappelle de lui. Hein. À l'époque, je le voulais absolument. J'ai galéré. Je l'ai pas droppé. Je l'ai forcé, je finis par le dropper. Et des années plus tard, quand je le droppe maintenant, je l'insulte. Eh oui. Comme quoi, hein, la morale de l'histoire, jamais forcé, les amis. Jamais, jamais forcé. Tant de multi claqués dans le vide. Après, à l'époque, il était bon. Hein. Il était carré dans l'axe. Hein. 7. Mince. Mauvais calcul. Bon les amis, hein, nous sommes à un mois et une semaine, enfin 10 jours de vrai, de l'anniversaire. J'espère que l'anniversaire va pas me larder dans l'œil. Les 5 ans c'était sympa. Les 5 ans, franchement. Et après ce qui est marrant c'est que j'ai l'impression que les 5 ans c'est hier en fait. Ça vous fait pas ça ou pas? Moi j'ai l'impression que je me rappelle encore d'avoir droppé Gogeta et Vegito. Vegito que je voulais pas absolument, tu vois, je voulais juste Gogeta. Parce que dès lors que t'as Gogeta, tu peux jouer Vegito. Et j'avoue, c'était hier, je vous jure, je me rappelle encore quand j'ai droppé. Je me rappelle d'avoir dit, ouais, je vais faire un cocktail. J'ai fait le cocktail, tu vois, je me rappelle de tout ça. Le cocktail, je me rappelle l'avoir sifflé. J'ai l'impression que c'était hier, c'est une sensation bizarre. Il y a un truc bizarre dans l'air. C'est passé une vitesse folle. On est d'accord, hein? On est d'accord, j'ai l'impression que les années passent à une vitesse. Tu penses atteindre les 1000 DS avant les 7 juillet? Bah, si je touche pas mes DS, il y a moyen. Hein. 150 DS par célébration. Je suis à 700 normalement en terminant le Battlefield. Donc, si je fais pas le con, je suis dans les temps, tu vois. Il m'a sauvé encore, SP a corrompu. C'est le seul des 50 ans. Moi, c'est en fait, ça dépend des anniversaires. Moi, c'est les 4 ans. Les 4 ans pour moi, c'était un cauchemar. C'était du jamais vu, les amis. Je me suis fait mollarder tellement fort que j'ai encore des séquelles, tu vois. C'est pas tout ça, mais j'ai faux, j'ai fait une connerie là. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Non, les 4 ans, ils m'ont traumatisé. C'est là que j'ai fini par dropper tous les doublons du Goku SSJ4 puissance. Après, je suis content. Parce que maintenant qu'il est ZTUR, il est carré, tu vois. Mais à l'époque, j'étais pas content. J'étais malheureux. J'étais triste. J'étais au fond. Les DS sifflaient comme le cocktail, exactement. Donc là, j'espère que pour les 6 ans, Migaté, il tombe vite, tu vois.
Gaté tombe vite, Vegeta aussi, et là, c'est le bonheur, tu vois. Là, c'est le plaisir. Là, c'est la volupté, les amis. En fait, encore une fois, comme chaque année, vous allez voir, il y a des gens qui vont désinstaller le jeu juste après l'anniversaire. C'est toujours pareil. C'est toujours la même histoire, et les mecs, ils reviennent. En fait, c'est toujours pareil. Chaque année, c'est grosse célébration, il y a plein de gens qui reviennent, ils claquent toute leur DS, ils drop rien, ils désinstallent le jeu, ils reviennent 6 mois plus tard. Et ils reviennent 6 mois plus tard, ils disent « Ah mais, c'est qui lui ? Ah bah, mais c'est quoi ça ? Mais comment ça on peut faire ça ? Mais c'est qui lui ? Pourquoi, pourquoi maintenant le personnage y parle ? C'est quoi pétard ? C'est quoi tous ces conneries ? Bah oui mais, t'es parti, bah évidemment, le jeu évolue. Donc voilà. Bon, je suis même pas concentré parce que là, ce Battlefield il est quand même très simple. Petit parcours de santé. Tu viens de me décrire en 5 minutes, Kylian. Exactement, voilà. J'ai touché où ? Zombie gâté, je suis refait, il n'y a que lui que je nie. Ah, les 4 ans, c'était les SJ4LR. Exactement, tardis. Bah, j'ai toujours pas le Goku. Hein. Le Goku, il m'a migaté toute sa life. Vegeta, j'ai fini par le dropper, mais Goku, jamais. Moi j'ai lâché le jeu un peu de temps après Noël. Mais bon. J'avoue qu'un shaft. Je me souviens que pour les 4 ans j'avais lâché toutes les DS de la célébration, plus les DS que j'avais. Et j'avais aucun DS SJ4, j'avais le seum fort. Hein. Tralala. Mon âme pleurait les amis. Heureusement que j'avais quand même droppé un LR des 3 ans. Que j'avais pas je crois. Mais je souffrais de l'intérieur, les amis. Ça pissait le sang de l'intérieur. Et pas qu'un peu, tu vois. Alors, là, Goku, il peut one-shot. Faut bloquer sa spé. Qui peut bloquer la spé? Genki Gencive, il est là. Viens, paf, paf, paf. Ah, attends, lui, c'est 130%, non? Oui, 130%, ma gueule. Donc, toi, tu dégages. Paf. 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 Donc bloqueur de spé. Est-ce que j'en ai un deuxième bloqueur de spé? Voilà. Un petit coup de Swinx. Et puis KFC, vu que c'est un Saiyan pur, elle va le purger. 475 000 PV. Carré dans l'axe, les amis. Moi, j'avais lâché 3 ans, j'avais 400 DS. Le jeu m'a bloqué. Ah, ouais. Non, c'est dur, hein. J'avoue. Hein. Quand le jeu te shaft fort comme ça, tu te remets en question. Tu te remets en question, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au karma? Qu'est-ce que j'ai fait au karma? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Là, mon objectif, c'est tout mettre sur Goku. En vrai, il faut tout mettre sur Vegeta, mais... Eh, Migaté, les amis, ça reste Migaté, tu vois. C'est... Je trouve que Migaté, il y a plus de flow. Après, Vegeta, il est monstrueux, tu vois. Non, en vrai, logiquement, si on devait raisonner avec la tête, c'est faut all-in sur Vegeta. C'est en fait, la plus grosse team, c'est avec Vegeta. Enfin, c'est plus intéressant que Vegeta. Bon, petite coupure impromptue. Du coup, on va faire ça. Gohan s'est carré dans l'axe, on va faire ça. L'aspect team. Ensuite, Goku, pareil. On est full life, on est bien. L'aspect est bloqué, on ne craint rien. Tu peux faire ton décompte, hein. Tiens. 212 euros de EDF par mois pour ma part. Mais ils ont 100% électrique? Mais c'est rien, wesh. Attends, t'es tout seul? 212, si t'es tout seul, c'est... Alors, c'est peut-être un peu beaucoup, mais si t'es deux, ça va. Non, mais ça... non vous êtes 5, mais non, mais c'est coupé que dalle. Ça, je comprends pas, ça, par contre. Bah, moi, je paye 250, je crois, à peu près. On est que deux. C'est Koto qui a racheté. Non, j'ai un truc qui va pas chez moi. Il y a un truc qui à la maison qui pompe beaucoup d'électricité. C'est pas Dokkan qui pompe de l'électricité hein, vu que c'est sur téléphone.
surveiller Max. Alors lui, il a rien de particulier, je ne de mémoire. Il a rien de particulier, donc rompiche. Bon, on ramène quand même elle, on ne sait jamais. Végétal, bref. Et végétal. Rompiche. C'est les plantes de weed. Non, moi je touche pas à ça. Moi déjà ça me fait rien du tout. Pour avoir testé parce que bon, voilà, quand j'étais jeune, je réfléchissais pas et je suivais la masse. Ah oui, c'est vrai que pour aller passer ZLR. Elle est de carré maintenant. Franchement, c'est pas mon délire. Ça me fait rien en plus. Quand je vois l'état des gens qui fument. Je voudrais pas dire, mais une épreuve de mémoire. Hein. Ah ouais, mon cus. Même pas, non. Ouais. Après, j'ai deux frigos. J'ai le frigo normal. Non. J'ai deux congélateurs. J'ai un congélateur le petit là, et j'ai un gros congélateur pour les glaces Magnum, tu vois. 62 euros par mois. Alors, t'es tout seul ou vous êtes plusieurs mouac. Bon, par contre, le Goku, il va arracher là. Fou, le Goku là. Il va le déguster là. 3 millions tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Vivant qui passe ZLR lui aussi là. Il atteint son tour. Hein. Ah ouais, mais putain, vous payez que dalle là. Attends, vous êtes chez EDF ou chez un. Eh ben lancez-moi des blases de société de beau gosse là. Il est peut-être temps de quitter EDF. Après des années de bon service. Ouais, je dégage pas, attention là il est mort. Ah ouais, ça existe hein, mon cus. Oh shit, il m'a explosé là. 15 balles avec envie, tout seul. Franchement ça va. Brice hein. Électricien. Ouais, est-ce que ça vaut le coup de mettre des panneaux solaires? Non, en vrai, je sais pas d'où vient la consommation. Ça me fout un peu, là. Ça me perturbe, tu vois. Ah, t'es en Belgique. Ok. Oula, il meurt là. Même si ce soit. Faut avoir un jardin pour mettre des panneaux. Les petits sont pas rentables. J'avoue, un petit panneau solaire là. Après, bon, en région parisienne, est-ce que ça vaut le coup des panneaux solaires? Paris. Paris sous la pluie, est-ce que ça rapporte? Est-ce qu'il y a du soleil? Ah oui, en Réunion, là j'imagine que c'est bien rentable. La frontière de Roubaix, si tu préfères. Bon. Alors, il nous reste Hildegard qui peut esquiver. Ok. Du coup, on va envoyer. Oui. 120%, 120%. Paf, paf. Paf, paf. Bergamo. Attends. Peut-être virer Mubi et mettre Broly. Voilà. Ça devrait suffire. Faut inventer les panneaux de pluie. Récolter la pluie aussi pour les ailes. Transformer ça en énergie. Non, faut que je.
Faut que je m'occupe de ça en fait. Mais de rien, ça me fait coûter, ça me coûte cher l'électricité. Hein. Parce qu'on est d'accord, c'est pas un PC qui fait que ça coûte cher en fait. En vrai, tu regardes par exemple ton truc à faire à repasser là, ça consomme beaucoup plus de kilowatts que qu'un PC qui tourne pendant 24 heures. Enfin. Ah, dommage que Tapion on peut pas encore l'acheter, j'aimerais bien acheter Tapion là. Paris tu risques rien. Ah, tu risques rien à voir avec les panneaux solaires qui est bien du plus. Oh Broly triple SP. Oula, je l'ai peut-être un peu sous-estimé là. Je l'ai peut-être un petit peu sous-estimé. Parce que là, je suis en train de crever là. Faut que le Bergamo il fasse son taf là. Ça coûte cher, c'est pas la console. Ouais, j'ai l'impression que c'est les abonnements en fait. Ce serait bien aussi d'avoir des panneaux solaires qui nous rapportent des DS, tu vois. Oh shit. Bon, un récolteur de pluie, mais qui te convertit en DS. Comme ça, on a des pics DS qui pop comme ça, là, au calme. J'ai l'impression que je suis en train de me faire démonter là. Parce que là, si on le tue pas, j'ai l'impression qu'on est un peu mort. Là. Oh no! Voilà, si on le tue pas là, ça commence à être un petit peu chaud. Hein. Ah, ça c'est beau. Quand tu regardes ta console, t'es à moins consommer, mais tu payes plus cher avec les taxes. Ouais, ça c'est chelou ça. Ah, ça marche, moi. Ah, lui aussi il mérite un ZTV. Hein. Bon, tu sais quoi, moi j'annonce cette année on aura un nouveau Broly et DBS. Quand, je ne sais pas. Mais mon petit doigt me dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un deuxième Dokkan Fest. Soit un LR, pièce rouge ou pièce jaune, soit un nouveau Dokkan Fest. Je trouve que ça manque de Broly DBS dans le jeu. Mais bien sûr, il faut l'active skill. Moi je suis en active skill où il hurle pour les 7 ans. Il y a moyen que pour les 7 ans on ait Gogeta et Broly. Hein. Ce serait la première fois que pour un anniversaire on aurait un extrême et un super, tu vois. Ce serait beau. Il ne mériterait même pas. T'es fou toi. Non, non, de ouf, il mérite. Bon, ne sous-estimons pas Freezer. Le Free. Super ou. Je crois qu'il faut partir super. Hein. Parce qu'il me semble qu'il y a une réduction. Face à l'extrême. Ce Bergamo. Ce Bergamo qualitatif. Là, lui aussi, il n'est pas encore ZTR. On va faire ça. Gwan va se faire défoncer pour le Swinx. Bon, dans le pire des cas, on envoie la team B. Mettre un Gogeta DBS, un Broly DBS pour 7 ans, même pas une main DS. Dès que tu vas voir leur passif et leur attaque SP, tu vas dire ok, c'est bon, all in. Ah, on vous connaît, on vous connaît, on vous connaît.
On peut pas lui bloquer l'aspect. Ouais, j'avoue qu'on peut pas faire grand chose en vrai, non. Bon, regardez comme ça, il y a le migaté qui coule dans ses veines. Bon, après, s'il esquive pas, j'ai l'impression que je me fais défoncer maintenant. Allez, migatez-moi ça. Migate-moi ça, frérot. Enfin, frérot. Kibitochin. Aïe aïe aïe. Oh, faut qu'il esquive. Oh 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 oh. Non, t'es sérieux? Prédiction tombée double quoi? Double Gogeta DBS et DBZ. Deux Gogeta? Non, je crois pas ça. J'avoue que ce serait marrant, Gogeta DBS et DBZ. Donc ce serait marrant. Saramos, Saramos, 39 000. Tuangsu. En vrai, il faudrait que je mette lui là. Il y a 50% de réduction de dégâts ici. Merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'ai pris un petit peu cher quand même. Oh là là. Pourquoi cette esquive? Ouh là là là, j'ai bien fait d'avoir mis ce tank. J'espère qu'il va tanker là. Ça tank. 57 000, ça va, il tank. Ouh, il tank pas trop bien quand même. Ok, il esquive. Non mais l'esquive, 50% wesh. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Millions. Pour l'instant les LR des anniversaires ils restent quand même solides hein, parce que eux quand ils vont passer ZLR, je pense que ça va être une grosse remontada. Hein. Enfin ils sont déjà, ils restent quand même viables. Mais en passant ZLR ça va être une dinguerie. Ah, on commence à transpirer du fiac là. Hein. Ça commence à être un petit peu tendu là. Il va se payer ici, je pense. Et on se soigne. Il va pas se payer tout de suite ce chien. Les chiffres en bas à droite, c'est les stats d'attaque, je crois. Oh là 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 là, l'esquive! Non, j'ai bien fait de l'avoir regardé en vrai. Ok. 6 tours bientôt. On va laisser esquiver, lui. Bon, là il meurt là. Là il meurt. Et on est tranquille. Ah, qu'est-ce qu'il est fort cette carte. Juste après normalement.
Ah, en bas à droite. Ah, peut-être que c'est le nombre de bons. C'est vrai que je regarde après, je sais ce que c'est. Nice, les amis. Voilà, c'est plié. Bon, est-ce qu'on va avoir les 700 DS? À votre avis. Normalement, oui. Bon, là, c'est un parcours de santé, mais on va moins rigoler la prochaine fois. S'ils mettent à jour, là, on va beaucoup moins rigoler. Alors, est-ce qu'on va atteindre les 700 DS? Oui! 705 DS. Je peux me permettre de faire une single, tu vois. Je peux me permettre de faire une single. Donc voilà, les amis. Dites-moi combien de DS vous avez actuellement sur la globale. On s'approche des 1000 DS. Encore une fois, si je touche pas mes DS pour le mois de juin, on les aura, les 1000. C'est scientifique. Il y a toujours 150 DS en moyenne par célébration. Donc voilà, quoi, on sera normalement dans la zone des 1000 DS. Sur ce, un petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis, comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma chaîne secondaire dédiée au multi-gaming. Voilà, actuellement, nos jeux de cœur, c'est Village, enfin Resident Evil Village, Monster Hunter, God of War, etc. Sur ce, à très très bientôt.